aurait pas d'histoire du rock sans Un esprit de révolte et envie de foutre un peu le bordel. Sans le roll, bien sûr. Il ne faut pas oublier que le rock, c'est avant tout une musique pour danser. Ça s'appelle du rock and roll à la base, ça veut dire secouer et rouler. Avec qui aimeriez-vous partager votre suite pour une nuit? Eh bien, évidemment, avec ma femme, Caroline. Avec Jack White, par exemple? Ou alors, peut-être, si on avait des guitares, avec Robert Johnson, pour qu'il me montre comment il avait fait pour passer le pacte avec le diable qu'il a passé. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans la suite numéro 7? Je suis très contente, c'est un endroit magnifique pour jouer et ça change des clubs qui sentent la bière. Votre hôtel préféré? Mon hôtel préféré, c'est simple, c'est Heartbreak Hotel. Non, j'adore les motels américains, mais j'aime bien ici aussi. À quoi ne renoncerez-vous jamais? Au plaisir. Je ne renoncerai jamais à faire de la musique. Votre souvenir le plus fou dans un hôtel? Je ne le raconterai pas. Le morceau qui aura marqué l'histoire du rock? Je vais dire London Calling. Rocket 88, c'est chanté par Jackie Brenston et c'est de Ike Turner.